Bonsoir à tous, c'est avec cette très jolie perspective sur le Palais des Papes que je vous accueille à Avignon, point de départ de notre voyage dans le Vaucluse. Je suis sur le pont Saint-Bénézé, le fameux pont d'Avignon. La force du Rhône a eu raison de lui, plusieurs fois détruit puis rebâti. Au XVIIe siècle, on décide finalement de ne plus le reconstruire. Il faut imaginer qu'au Moyen-Âge, il mesurait près d'un kilomètre de long. Il était alors le seul point de passage sur le fleuve entre Lyon et la Méditerranée. Il a notamment permis au pape et à la cour pontificale d'accéder à la cité d'Avignon. Ce pont est aujourd'hui l'une des merveilles, l'une des richesses du Vaucluse que nous allons découvrir ce soir. Au XIVe siècle, 9 souverains pontifes résident au Palais des Papes. Avignon devient la nouvelle Rome. À l'intérieur du palais, de grands artistes, dont certains venus d'Italie, créent des chefs-d'œuvre comme le décor de la chapelle Saint-Martial. C'est extrêmement nouveau. On a cette truculence, ce souci de représenter la vie et les gens tels qu'ils sont. Autre héritage de cette époque, les prestigieux vignobles de Châteauneuf-du-Pape. Exploités depuis le Moyen-Âge, leur vin est aujourd'hui exporté dans le monde entier. À Orange, le théâtre antique continue de livrer ses secrets. Avec les archéologues, nous pénétrerons dans ses coulisses jusqu'au mur de Seine. On est dans la grande niche centrale du mur de Seine, à l'arrière de la grande statue dite d'Auguste. Dans les monts de Vaucluse, nous explorerons le Ventoux par sa face nord, la plus sauvage et la plus spectaculaire. On est dans la montagne. On est dans les entrailles du Ventoux. Entre champs de lavande et carrières d'ocre, nous traverserons le parc naturel du Luberon. À l'abbaye de Sénanque, pour la première fois, les moines cisterciens nous feront partager leur quotidien entre prières et travaux des champs. Nous voici au sommet d'une des tours du Palais des Papes. Victor Hugo allait jusqu'à comparer cet emblème d'Avignon au Parthénon d'Athènes. Et c'est vrai qu'il reste encore aujourd'hui l'un des plus grands palais gothiques d'Occident. C'est un monument majestueux, prestigieux, imposant. Au Moyen-Âge, il était situé à un carrefour stratégique au bord du Rhône et au cœur de l'Europe chrétienne. Il devait symboliser et exprimer la toute-puissance de l'Église. L'architecture, vous allez le voir, est un étonnant mélange entre forteresses et palais urbains. Elle témoigne de la fin du Moyen-Âge avec déjà des prémices de changement. Regardez face à moi ces deux tours. Voici la tour du Pape, une construction défensive bâtie en 1335 avec son châtelet, ses mâchicoulis et ses créneaux. Juste à côté, collée, la tour de la garde-robe, construite à peine 10 ans plus tard. Et pourtant, elle offre aux visiteurs une façade nettement moins austère, des murs moins épais et surtout cette baie vitrée de 5 mètres de hauteur. C'est l'œuvre du pape Clément VI qui a laissé une autre empreinte ici. En effet, il a créé la cour d'honneur telle qu'elle existe encore aujourd'hui. À l'origine, c'était une place ouverte, réservée aux cérémonies publiques et privées. Clément VI décide de fermer l'espace. Depuis 1947, cette cour d'honneur accueille les plus grands noms du théâtre pour le Festival d'Avignon. Le Palais des Papes a toujours été un lieu de mise en scène du pouvoir. Il a permis à Avignon d'être l'une des villes les plus attractives et prospères d'Europe. Aujourd'hui, l'édifice continue à fasciner et même à surprendre les historiens. C'est un film de Jacques Plaisant, Raphaël Licandro et Corentin Robert. Aux portes de la Provence, à la confluence du Rhône et de la Durance, Avignon nous raconte une histoire riche et complexe. Au cœur de la ville, un palais gothique symbolise la volonté des papes de créer sur ces terres au Moyen-Âge une nouvelle Rome. «
De 1309 à 1418, 9 papes résident à Avignon. Chacun avec sa personnalité, ses forces et ses faiblesses. Leur histoire nous renvoie aux luttes de pouvoir qui agitent l'Europe à cette époque. Au début du XIVe siècle, la papauté n'est pas encore rattachée au Vatican. Les papes se déplacent entre les grandes villes des États pontificaux, au gré des tensions politiques. En 1305, un pape français est élu. Il décide d'installer son pontificat à la frontière du royaume de France, à Avignon, aux portes du comtat vénétien. Progressivement, la papauté va s'implanter et en quelques décennies, la ville va devenir la capitale de l'Occident chrétien. Julien Gallon est l'un de ceux qui veillent aujourd'hui sur le palais des papes. Quand on arrive le matin comme ça, qu'on le voit avec la place qui est déserte, il continue de nous impressionner. On a une architecture extrêmement imposante, massive, puissante, qui renvoie à cet événement décisif de l'histoire de la papauté au XIVe siècle. On est écrasé par une trentaine de mètres de hauteur de mur, très très puissant, avec des contreforts, avec des crénelages, avec des chemins de ronde. Donc il y a tous les artifices de l'architecture militaire qui sont utilisés ici et qui sont là en fait pour impressionner les gens de passage et les gens qui voient le palais de loin. Pour la ville, il est le témoin d'une période fondatrice, une période d'âge d'or au XIVe siècle. Dès l'entrée, la fameuse cour d'honneur est une véritable mise en scène du pouvoir papal. On rentre ici chez le pape, c'est là que la population avignonnaise vient à la rencontre du pape en définitive, puisque le pape va se présenter à cette fenêtre ouvragée pour donner sa bénédiction à la foule des fidèles qui rentrait ici dans cet espace. Et donc le pape fait ici acte de démonstration, il démontre son pouvoir ici de manière très symbolique à cette fenêtre. On a un peu l'impression de pénétrer dans un château, en fait on est dans un palais. On est véritablement dans un lieu qui est à la fois un lieu de pratique de pouvoir pour le pape, où il va administrer la cour pontificale, et également un lieu de résidence. Avec ce palais, les papes affirment leur pouvoir temporel. C'est Benoît XII qui, en 1335, commence véritablement la construction de l'édifice. Vieil homme austère et prudent, il va s'affirmer comme un grand bâtisseur. Une tour est l'élément central du projet, appelée Tour du Pape. Elle abrite les appartements privés du prélat. Ils sont reliés au cœur politique, le consistoire. C'est là que siègent les cardinaux qui forment la cour pontificale. Ces éléments centraux sont complétés par des ailes, permettant d'accueillir les visiteurs et les ambassadeurs. S'y ajoute une chapelle. Le tout s'organise autour d'une cour. Cette première phase de travaux dure 7 ans et s'achève à la mort de Benoît XII. Son successeur s'appelle Clément VI, surnommé le Magnifique. C'est lui qui va donner toute son ampleur au palais et en faire une réalisation unique en Occident. Il rehausse les tours et fait construire la grande chapelle et la grande audience. Avec la création de l'aile des grands dignitaires, il donne naissance à la cour d'honneur. À sa mort en 1352, le palais est un ensemble architectural d'une immense richesse. Aujourd'hui encore, en pénétrant dans ces murs, on se rend compte de la démesure de cet édifice. À l'image de cette pièce, le Grand Tinel. Incroyable espace avec ses dimensions colossales, 50 mètres de long,
une quinzaine de mètres de large. C'est des pièces qui font à peu près 500 mètres carrés. Et puis surtout, saisissante de par cette voûte-là, lambrissée, une sorte de coque de bateau renversée. Le cadre architectural, avec ses décors, avec ce lambris qui était revêtu de toiles enduites de bleu, avec une constellation d'étoiles d'or qui formait quand même une simulation de voûte céleste, tout ça est là pour dire vous êtes chez le seigneur temporel le plus important de cette époque. Grâce au travail des historiens et des scientifiques, une partie des décors a pu être reconstituée. La voûte étoilée du Grand Tinel réapparaît dans toute sa majesté. Au mur, de riches tentures. Sur les tables, les mets les plus délicats sont servis aux centaines de convives. Grâce à ses réceptions fastueuses, le pape met en scène son pouvoir. Par cet escalier dérobé, le camérier, le plus proche collaborateur du pontife, pouvait accéder directement aux appartements privés. Voici la chambre du pape. Ici, le décor d'une grande finesse a traversé les siècles. On est dans un espace qui est occupé par le pape en priorité. Et on pourrait s'attendre à un décor plutôt religieux. Eh bien non, on a en face de nous un décor de rinceaux, de feuilles de vigne et de feuilles de chêne, un pavillon de verdure qui entre véritablement à l'intérieur. Le pape ici n'est assisté que de cubiculaires, c'est-à-dire des chambriers, qui l'assistent dans sa vie quotidienne et qui peuvent avoir aussi un rôle de secrétaire. Et donc ici, c'est véritablement un endroit où le pape est dans sa vie la plus privée. Julien Gallon nous conduit vers un autre espace privé, réservé au pape. Il n'est accessible qu'aux conservateurs et aux scientifiques, car des études sur ce lieu sont encore en cours. On arrive en bas de l'escalier de la vis de la garde-robe, qui est réservée à l'usage unique du pape. Au pied de l'escalier, des fouilles ont mis au jour des étuves. Nous sommes certainement dans une salle de bain. On arrive dans cet espace de petite dimension. On voit que les étuves, elles sont quand même pas très très grandes en dimension. Et donc ici, on a vraisemblablement une fosse, évidemment beaucoup moins creusée dans le sol, où était disposée, d'après ce que nous disent les textes, une baignoire en plomb, commandée spécialement pour les bains privés du pape. C'est un espace qui est mystérieux parce qu'en fait, les recherches archéologiques à son sujet sont encore assez partielles. Et lorsqu'on nous demande s'il reste encore des secrets à percer au Palais des Papes, eh bien on peut considérer que cet espace en fait partie. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas véritablement dire comment il était organisé précisément. Rien n'est trop beau ni trop luxueux pour le pape Clément VI. Ce grand prince de l'Église veut faire d'Avignon une nouvelle Rome. Il fait donc venir des artistes de toute l'Europe. Et grâce à lui, un chef-d'œuvre va voir le jour. Voici l'un des trésors du palais. La chapelle Saint-Martial, peinte par l'Italien Matteo Giovannetti. Moi,
ça me plaît d'imaginer ce Matteo Giovanetti qui arrive à Avignon. On sait qu'il est natif de Viterme. Il arrive, il a une quarantaine d'années. Et soudain, alors qu'il n'est pas un peintre particulièrement fameux, le pape Clément VI lui fait une confiance extraordinaire en lui donnant la direction du chantier de décoration peinte de son palais. Alors, ce décor est absolument éblouissant. Et c'est tellement foisonnant que Matteo Giovanetti a choisi de placer des lettres de l'alphabet pour que les spectateurs, les visiteurs, les fidèles puissent se repérer et suivre tout le sens de cette histoire de la vie de Martial et de sa démonstration. Matteo Giovanetti porte ici une sorte de paroxysme, ce goût de l'ornement et ce jeu entre l'architecture du palais, l'architecture de la chapelle et les édifices qui sont représentés. Dans le palais, Matteo Giovanetti innove. Il multiplie les trompe-l'œil. Près d'un siècle avant la Renaissance, il fait des recherches sur la perspective. Et pour l'une des premières fois dans l'histoire de l'art, développe le portrait d'après nature. Il y a des visages qui sont étonnants par leur véracité. On voit là apparaître de véritables portraits et nous sommes entre 1344 et 1340, tout début de 46, c'est-à-dire à une date très précoce pour voir se développer le portrait. Donc c'est vraiment une des caractéristiques de l'œuvre de Matteo Giovanetti ici à Avignon. C'est extrêmement nouveau. On a cette truculence, ce souci de représenter la vie et les gens tels qu'ils sont au travers de ces scènes de la vie de Saint-Martial. Sous le règne de Clément VI, Avignon devient une grande capitale cosmopolite. Au milieu du XIVe siècle, sa population atteint 40 000 habitants. La ville attire des marchands de toute l'Europe. Pour ces échanges, Avignon bénéficie d'une situation géographique idéale, à mi-chemin entre l'Italie et l'Espagne. À 5 jours de Paris, 8 jours de Bruges ou 13 jours de Rome. Mais surtout, la ville est au bord de l'une des plus grandes artères commerciales de l'époque, le Rhône. Et elle a un autre atout essentiel, un pont. Il sera pendant des siècles l'unique point de passage sur le fleuve entre Lyon et la Méditerranée. Aujourd'hui encore, le pont d'Avignon est le symbole de la ville. Des scientifiques ont récemment découvert pourquoi il a en partie disparu. Marc Andrieux fait partie de l'équipe qui a mené l'enquête. Oui, là, on est très privilégié puisqu'on est en plein milieu d'un fleuve majestueux, sous le pont d'Avignon, dont on ne perçoit pas l'élégance au niveau des rives, parce que quand on est sur le fleuve, on voit ces grands arcs surbaissés, le tablier qui est très fin, donc très élégant. Et on voit qu'il est posé sur des piles de pont en forme de losange qui doivent supporter le courant. On voit ce fleuve-là qui est très très calme, mais qui à l'époque était très tumultueux et qui arrivait avec des périodes de hautes eaux à monter à 5 ou 6 mètres au-dessus. Au bout de la quatrième arche, comme un point d'interrogation, la fin du pont. Là, on est dans quelque chose d'assez émouvant, ces arrachements de cette pile. C'est un bras coupé, en fait, interrompu par l'histoire. C'est un vestige d'une histoire glorieuse, mais qui a quasiment disparu au niveau du paysage. Grâce à leurs recherches,
Les scientifiques ont pu reconstituer le lit du Rhône au XIIe siècle. Le pont est édifié sur un sol instable, fait de gravier et de sable. Malgré le talent des ingénieurs, dès sa construction, l'ouvrage s'avère fragile. Et régulièrement, des parties du tablier s'effondrent. Au XVIIe siècle, on renonce à le reconstruire. Et en quelques années, la majeure partie du pont disparaît. C'est un pont qui a manqué de chance. Au moment où on le construit, on sait construire les ponts dans un climat sec. Manque de bol, au moment où on construit le pont, on change de manière radicale de climat, ça s'appelle le petit âge de glace. C'est un refroidissement mais majeur qui nous donne des hivers où le Rhône est bloqué dans la glace pendant 6 mois. Alors à ce moment-là, les nappes phréatiques remontent, il y a des décrues, des embâcles et des débâcles qui vont bousculer le pont. Et comme on n'est pas sur des arrochements très solides, mais sur des lits de gravier dans lesquels on a mis des pieux, eh bien ces nappes phréatiques, elles provoquent des affouillements qui sont très destructeurs. Ce chef-d'œuvre du Moyen Âge réapparaît aujourd'hui dans toute sa splendeur. Le voici, reconstitué en plein âge d'or de la Cité des Papes. Reliant les terres pontificales au royaume de France. Malgré sa fragilité, pendant des siècles, il a fait la richesse de la ville. En 1352, à la mort de Clément VI, le Magnifique, certaines voix s'élèvent pour dénoncer les dérives de son pontificat. L'heure n'est plus au faste. Son successeur se nomme Innocent VI. Il est français et décide de restaurer l'image de la papauté. En 1356, sur l'autre rive du Rhône, sur les terres du roi de France, il favorise l'installation de l'un des ordres religieux les plus importants du Moyen Âge. Nichée au creux d'un vallon, voici la chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Ce patrimoine permet de comprendre une autre facette de l'histoire des papes. Certains historiens ont dit que la chartreuse était la mauvaise conscience des papes. On est dans un lieu de recueillement absolu. C'est une période très agitée et où ce pape Innocent VI, il va devoir remettre de l'ordre dans la maison. Et là, il va donner le la politique de son pontificat en choisissant les chartreux, qui est un ordre extrêmement austère, très rigoureux. On va rompre avec les grandes fêtes qui avaient donné toute sa puissance à Clément VI, mais qui, d'un point de vue de la religion, posaient quelques problèmes. Alors ici, on arrive dans un endroit très émouvant, c'est le cloître du cimetière. Il faut savoir que plus de 600 moines chartreux sont enterrés là, dans un rituel extrêmement simple, d'une très très grande sobriété. Ils sont ensevelis dans un mètre trente, dans un trou d'un mètre trente, dans un linceul simplement. Et puis pour le dernier arrivant, on va déplacer une croix. Il y a une seule croix dans ce cloître. Et vraiment tout ça se fait dans une humilité absolue. La poussière qui revient à la poussière, les cendres qui reviennent aux cendres. Dans ces murs, la vie des moines est dédiée à la prière. Leurs cellules se répartissent tout autour du grand cloître. Alors là, on a les cellules du Père Chartreux. Chaque cellule est identifiée par une lettre. Donc le sacristain, il attribue des tâches à celui qui est en G, celui qui est en H, celui qui est en I. Donc on est dans l'anonymat, le silence et la grande, grande simplicité, austérité de cet ordre. Alors là, on rentre dans l'Ave Maria. Chaque fois que le moine rentre et sort, il vient prier et payer sa dévotion à la Vierge Marie. C'est comme un sas de décontamination du monde extérieur. À
à l'issue de cette prière, il va vaquer à ses occupations, aller au jardin, ou continuer les prières, ou ensuite aller se reposer. Il y a un appareil à prière, il peut prier à genoux, et un lit. Alors vous remarquerez que ce lit est assez court. Au Moyen-Âge, il faut se rappeler qu'on dort semi-couché, puisque le gisant est supposé être mort. Donc on a des coussins et on est dans des lits relativement réduits. L'idée vraiment, c'est d'être confronté dans la solitude à cet état de prière permanent et de grâce. Chaque cellule possède un jardin où le moine cultive son potager et des herbes médicinales, mais toujours sous bonne garde. Une des curiosités de ce jardin, c'est qu'il est sous la haute surveillance du sacristain, personnage sourcilleux qui va guigner à travers cette petite fenêtre qui est en biais, l'enfilade de l'ensemble des jardins pour bien vérifier que personne ne fait le mur. Parce que, évidemment, selon les siècles, dans les ordres religieux, il peut y avoir des tentations plus ou moins importantes. Et donc, il y a eu des épisodes où, dans certains monastères, on n'était pas très rigoureux sur la règle et où on faisait rentrer des jeunes femmes, où il y avait des fêtes, des choses comme ça. Donc, on a vraiment un ordre quasi militaire avec un adjudant qui vient vérifier qu'on ne fait pas le mur. Pendant plus de 4 siècles, des hommes prient en ces murs pour le salut du monde. Mais la Révolution française sonne la fin de cette vie de silence. Les moines sont chassés et les bâtiments sont vendus. Commence alors pour la chartreuse une nouvelle vie. En quelques années, des familles remplacent les religieux. Les cellules sont transformées en habitations. La vie quotidienne s'organise et la chartreuse devient un quartier populaire. C'est une place de village, on a les grands-mères qui écossent les haricots, on a un fabricant de balais, on a une biscuiterie, on a un peintre qui viendra s'installer ici, un architecte. Enfin, c'est vraiment la vie de village. À un certain moment, il y a même des familles gitanes qui sont là, donc des ambiances assez festives, chamarrées. Et si la population ne s'était pas approprié le lieu, il est fort à parier que l'ensemble aurait été détruit et aurait servi tout simplement de carrière. La chartreuse entame aujourd'hui sa 3e vie. C'est un lieu de résidence et de création pour les artistes du monde entier. Au pied des remparts de la cité pontificale, le Rhône a donné naissance à des îles. La Barthelasse est la plus grande île fluviale d'Europe. Grenier à blé des papes, cette terre est depuis des siècles le jardin d'Avignon. À l'ombre du palais, une famille perpétue cette tradition et travaille cette terre, née des eaux du Rhône. L'île de Barthelasse s'est créée par les alluvions du Rhône. Donc c'est du limon, de l'argile, du sable. Beaucoup de calcaire également, ce qui est un peu plus embêtant. Mais voilà, c'est vraiment cet apport d'alluvions qui a fait qu'on a une terre qui est très fertile. On pourrait comparer ça un peu comme au creux du Nil, c'est qu'à chaque crue, le Rhône rapportait des sédiments
qui a nourri la terre. On voit vraiment à la couleur le côté argile-limon avec ce côté grisâtre. Et puis voilà, quand on la serre, on a vraiment ce boudin qui se forme, ce qui veut dire que justement on a une bonne rétention en eau. Et si j'avais une terre plus sableuse, ce boudin ne tiendrait pas. Face au palais des papes, Numa Capo cultive des dizaines d'espèces de légumes et de fruits. Faut pas que ça germe quand même quoi. Et puis les bordures à faire pour que ce soit propre et qu'on ne se pas envahir. Bientôt, les premiers melons seront là. Là, on a une belle floraison qui est en cours et on commence à voir, hop, les premiers petits melons qui se forment. Donc pour l'instant, tout va bien. Là, c'est vraiment du melon d'Avignon parce qu'on est... Ah là, oui. C'est même du melon qui a regardé le palais des papes. Depuis qu'il a repris l'exploitation avec ses frères, Numa développe une agriculture raisonnée et vend ses légumes directement à la ferme. Pour que les gens s'intéressent et aient envie de venir, souvent, il faut leur expliquer comment les cuisiner, quel goût ça a, parce qu'ils ne connaissent pas forcément. Leur dire que voilà, bah, tu vois, un petit artichaut comme ça, tu peux enlever les quatre premières feuilles et venir ici attaquer et le manger cru. Ça reste tendre, c'est doux, c'est bon. Tu peux, voilà, y a plein de recettes à faire et les gens ne connaissant pas n'ont pas forcément l'idée d'aller vers ce type de produit. Tiens, juste derrière toi, sur l'artichaut, sur le coquelicot là. Hop, je ne sais pas si tu vois qu'il vient de se poser là. Juste ici. Donc ça, c'est une sirfe. La sirfe, c'est un gros prédateur de pucerons et ça arrive à bouffer jusqu'à 600 pucerons par jour. Donc c'est extrêmement efficace. Très très bon signe. C'est grâce à eux, par exemple, que voilà, ça fait 6 ans qu'on n'a plus traité le puceron. Tout ce qu'on a mis en place fait que ben, ils se sentent bien et que chaque année, ils sont là très tôt et ils travaillent à notre place, quoi. En fait, c'est un peu de l'esclavagisme. Grâce à leur respect pour cette terre, les frères Capo ont créé une véritable institution sur la Barthelasse. Il faut les comprendre, Mathieu ? Oui, il m'en faudra un petit peu. Et allez. Là, c'est les fèves. Petit pois, c'est encore notre mesclun. Les épinards plein champ. Ça évolue tout le temps. Et puis les saisons, c'est jamais pareil, t'as toujours des surprises. On a quand même une clientèle qui se pose plus trop de questions, qui prennent ce qu'on a sur les étals, quoi. Mais c'est vrai qu'ils aiment bien nos tomates quand elles arrivent, hein. Merci. Ça va être l'heure de la sieste maintenant, hein. Ouais, là c'est dur, là. Ouais, dans 2 ans, il est mort, quoi. Après une matinée de travail, toute la famille se retrouve. Bernard, le père, a grandi dans cette ferme. Au fil des décennies, il a appris à vivre avec les caprices du Rhône. Car sur la Barthelasse, les inondations font partie de l'histoire. C'est 1944, là 1958, 51, 1935 est une grosse inondation parce qu'Avignon était sous l'eau. 1755, ben c'est vieux quoi. La plus grosse, c'est 2003, en décembre, il me semble. Voilà, oui. C'était, il faut que je monte là. Voilà, c'était à peu près à ce niveau-là, voilà, à ce niveau ici. Donc il faut imaginer de l'eau partout. De l'eau partout. Ben là, on était sous-marin, quoi. Entre le 1er et le 5 décembre 2003, une crue exceptionnelle frappe Avignon. L'île de la Barthelasse disparaît sous la puissance des eaux. Piégés par la rapidité de la crue, des centaines de personnes doivent être évacuées. Le pont émerge à peine des flots, et seuls les remparts sauvent le centre-ville. Par sa force et le niveau des destructions qu'elle engendre, cette inondation a profondément marqué les esprits. Depuis des décennies, la Barthelasse tente tant bien que mal de se protéger des colères du fleuve. Un réseau de digues ceinture l'ensemble de l'île.
Christian Marquis veille sur cet ouvrage de plusieurs kilomètres. Il faut toujours avoir un œil sur les digues. Je circule énormément sur les digues pour voir s'il n'y a pas de brèches qui sont naissantes. Je suis né dans le Rhône et dans les inondations. Quand on est tout petit et qu'on s'y habitue, effectivement, aujourd'hui, les inondations ne se font pas peur. C'est toujours un spectacle assez extraordinaire parce qu'il y a un silence, j'allais dire presque de mort. Il n'y a plus de bruit puisqu'il n'y a plus d'exploitation qui travaille, il n'y a plus de tracteurs, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus rien. Donc il y a un immense silence et vous ne pouvez pas vous imaginer, quand vous voyez de l'eau qui passe ici sur les digues, tout ça c'est plein d'eau, donc ça fait un immense lac avec un silence incroyable, donc c'est vrai que ça surprend un peu. C'est des images qu'on garde et qui marquent, ça c'est sûr. Là, on est à l'endroit même où il y a eu une brèche en 2003. Et bien sûr, un Rhône en crue, eh bien, c'est le Rhône qui rentre dans l'île et qui va peut-être recréer des bras, comme c'était à une époque, donc pouvoir tout arracher, redessiner de nouveaux îlots, puisque la Barthelas avait 7 îles à l'époque. Malgré les brèches, ces digues ont permis de préserver l'un des trésors de l'île. Il s'élève à quelques pas du Rhône. Ça grince comme les vieilles bâtisses. C'est un lieu magique, secret aussi. Et c'est vraiment un bijou d'Avignon et de la Barthelas, bien évidemment, encore au plus. Le château de la Barthelas est édifié en 1570 par le seigneur de l'île, sur ordre du roi Charles IX. Il permet alors de contrôler le Rhône et la frontière entre le royaume de France et les terres du pape. Cèdre du Liban, 200 ans. C'est un couple de passionnés qui a sauvé cette demeure il y a une trentaine d'années. Voilà, c'est la propriétaire de notre château. Alors, et venez. Voilà, une dame fabuleuse aussi. Voilà notre château. Au début, on a dit, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Et après, doucement, oh mon Dieu, c'était un coup de cœur, vraiment. Et mon mari adorait. Pas à pas, doucement, on refaisait d'abord l'extérieur, après à l'intérieur. Il avait été oublié et il avait été massacré, il faut reconnaître. Voilà. Ça a tombé à l'abandon. Si Madame Savine n'avait pas été là, et aujourd'hui, ça serait un tas de ruines. D'origine, hein. Ah, c'est fabuleux, ça. C'est le bois origine, c'est splendeur. Il n'y avait rien que des gravats. Les plafonds étaient cachés avec du plâtre partout. Et je pense que les gens, peut-être pendant la guerre, ils couchaient ici, il faisait froid, ils avaient mis des cartons pour pouvoir... Alors on a tout nettoyé. Et on a essayé de refaire quelque chose en respectant quand même l'édifice, les pierres, les murs. On n'a pas touché. Voilà. Au sous-sol, d'anciens cachots témoignent du rôle que jouait ce château au XVIIe siècle. On va dans les prisons, donc les geôles. Non, mais ça, c'est extraordinaire d'avoir ça. Et il paraît qu'il y avait de la terre, parce qu'au fur et à mesure des inondations, ça s'était comblé ici. Donc il a fallu tout enlever. Voilà, donc on est dans les géoles du château de la Barthelas. Donc on voit la date ici marquée, c'était inscrit, donc 1627. C'est quand même extraordinaire d'avoir un château aussi bien conservé qui date quand même de cette époque. Ça raconte toute une partie de l'histoire de la Barthelas, mais non seulement ça, une partie de l'histoire de France, puisque vous aviez le royaume de France d'un côté et la cité des papes de l'autre, donc effectivement il y avait une frontière. Vous êtes sur une zone de péage, qui dit péage dit argent, qui dit argent dit brigand. Donc ça se suit un peu. À une dizaine de kilomètres au nord d'Avignon, des vignes témoignent, elles aussi, de l'influence des papes sur ces terres.
Au sommet du village de Châteauneuf-du-Pape se dressent les ruines de la forteresse du pape Jean XXII. En 1330, il fait édifier ici une résidence secondaire et implante sur ses terres des vignerons venus de Cahors. Le raisin qui pousse sur ces collines, à quelques pas du Rhône, s'avère de grande qualité et produit l'un des vins favoris des pontifes. Le célèbre Châteauneuf-du-Pape. Nous sommes au mois de juin. Et sur le domaine de Thierry Sabon, depuis quelques jours, le débourgeonnage de la vigne a débuté. Cette opération de débourgeonnage consiste à sélectionner les rameaux que l'on veut garder et qui en général sont ceux qui portent les raisins, qui sont les plus forts, pour justement leur conférer encore davantage de force. Avoir beaucoup de raisins entassés, c'est un risque de les voir pourrir parce que vouloir trop en avoir, en général, on les perd. Tu vois, celui-là, tu peux l'enlever. Celui-là, il est mort. Hein. Voilà, c'est vraiment des très, très vieux sols. Le Rhône a déposé ses différents galets qu'il a arrachés au massif du Mont-Blanc et du Pelvoux. C'est une des expressions du terroir de Châteauneuf, les galets roulés. Ça en fait sa richesse, certainement. C'est un type de sol qui est très intéressant. Et mêlé au sable et aux argiles, c'est vrai que ça donne ce goût particulier des vins de Châteauneuf-du-Pape. Pas moins de 13 cépages peuvent entrer dans la composition du vin de Châteauneuf-du-Pape. Thierry Sabon tente de préserver cette histoire. Au pied d'une des parcelles, il a créé un conservatoire. Devant moi, il y a du Vaccarèse, du Muscardin, il y a deux rangées de cinceaux, du Terré Noir. Et ce cépage, c'est une counoise. Donc la légende veut que ce cépage ait été amené en cadeau par un évêque qui s'appelait Conejo, un évêque espagnol, au pape. Voilà, donc du nom Conejo découle le nom counoise. Le couloir rhodanien était un couloir d'échange, donc le vin faisait partie des échanges. Mais les papes ont dû amener un petit plus, voilà, et certains cépages ont dû arriver avec tous les échanges supplémentaires induits par la présence des papes en Avignon. L'idée, c'est de maintenir ces cépages, comme ce sont des cépages qui sont plutôt tardifs et à moindre degré d'alcool que le grenache, ce serait de tempérer un petit peu les degrés alcooliques de nos vins grâce à ces cépages-là, tout en préservant la diversité. Sur les vignes de Thierry Sabon, cet héritage des papes côtoie les dernières recherches scientifiques. Depuis quelques années, sur ces terres, la musique a remplacé les pesticides. C'est un diffuseur de protéodie. En fait, on a une maladie dans la vigne, une maladie du bois qui s'appelle l'ESCA. On n'a aucun produit pour lutter. On peut essayer avec des huiles essentielles. Et il y a une autre piste qui est un peu plus ésotérique, on va dire, qui consiste à envoyer une musique dans la vigne qui va empêcher le champignon de se multiplier. Les fréquences de la musique agiraient sur le développement de certaines protéines et empêcheraient la prolifération du champignon. C'est des pistes peut-être un peu extrêmes, mais aujourd'hui, on voit aussi le végétal un peu différemment. Une plante, c'est un être vivant qui ressent les vibrations, qui émet des produits, qui interagit avec son environnement. Donc c'est certainement des pistes très intéressantes dans le futur. Si,
Oui, il y a pas mal de magnums. C'est-à-dire ici. En fin de journée, Thierry a invité des amis producteurs pour goûter quelques-uns de ces millésimes. Voilà, là, il y a des magnums de 1989. 79. Il y a les 79. En fait, on essaie de garder un peu tous les millésimes, pas seulement ceux qui sont dits grands, parce que tous, comme ça, ont leur chance de vieillir. Donc là, on est à 80. Là, on a des 78. Voilà. C'est des bouteilles qui ne sont pas étiquetées parce que la cave est très, très humide. Voilà, ça nous permet de montrer que nos vins peuvent bien vieillir, se dire qu'on est... Il y a eu des gens avant nous, qu'il y en aura après nous, qu'on est juste un passeur. Même si certains millésimes se vendent très rapidement, on essaie de tirer le frein à main pour en garder, pour avoir cette mémoire qu'il ne faut pas perdre. Donc là, on va goûter en 2016 le Petit Mont, qui est notre entrée de gamme. Au niveau du goût, c'est vrai qu'un vin au 14e siècle, un vin aujourd'hui, devait certainement pas être pareil. Après, le métabolisme n'était pas le même non plus. S'il nous fallait boire les vins qu'ils buvaient à l'époque, je pense que ça... Des fois, ça nous serait compliqué. Grâce à ces grands vins, une partie de l'histoire des papes à Avignon s'exporte aujourd'hui dans le monde entier. Merci. Face au palais, de l'autre côté du Rhône, s'élève la colline du Mont Andaon. Sur ces hauteurs battues par les vents, derrière les remparts du Fort Saint-André, s'élève dès le XIIIe siècle une puissante abbaye royale. Aujourd'hui, ces murs abritent un jardin remarquable. C'est l'un des plus beaux balcons sur la Cité des Papes. Marie Viennet est la propriétaire de ce jardin historique. On sent le mistral. On arrive dans les jardins méditerranéens, le Mistral de Provence, qui s'engouffre dans la vallée du Rhône, et voilà, qui est vraiment très présent sur ces terrasses panoramiques. Donc ces jardins méditerranéens doivent vraiment être adaptés à la sécheresse et à ce vent assez violent. Et là, on a un pin qui est anamomorphosé, ça veut dire qu'il a poussé en fait à l'horizontale à cause du mistral. Il a vraiment pris la forme du vent. Et c'est un arbre d'ailleurs qui va être classé un arbre remarquable. Et les visiteurs sont très étonnés. Oui, souvent on nous dit, quand il y a des tempêtes assez fortes, vous avez un pin qui est tombé sur la terrasse, alors que non, il a poussé à l'horizontale et c'est tout à fait normal. Plus de 100 jours par an, le vent souffle et dessèche la végétation. Dans ce jardin méditerranéen, seules les plantes adaptées survivent. Alors celui-là, il est un petit peu vieux. Est-ce qu'on le conserve ou est-ce qu'on... Je pense que peut-être il faut essayer. On va essayer un petit peu de le tailler. De le retailler. Marie Viennet a fait appel à une botaniste pour les sélectionner. C'est important, à mon avis. Pour là, il va bien. L'idée, c'est d'avoir vraiment des jardins secs et garder que des espèces qui soient vraiment adaptées au climat. Et malheureusement, on va être obligé de faire des choix, notamment les lilas. On ne peut pas conserver des lilas qui, en été, souffrent vraiment beaucoup trop de la chaleur. Lui, il résiste à la chaleur, à la sécheresse. Il est toujours vert, c'est magnifique, hein. Ce pistachier, par exemple, il reste extrêmement vert l'été. Et donc, c'est intéressant parce qu'à la fois, il résiste bien, mais il a une allure qui nous plaît aussi l'été. C'est ce qu'on recherche dans les jardins. Au sommet du jardin, une oliveraie historique a traversé les siècles. Ils racontent une histoire, quand même. Ils sont magnifiques. Oui, ce matin, on a une lumière vraiment rasante et magnifique.
Ce qu'on sait, les derniers événements, si on remonte un tout petit peu à l'envers, c'est qu'ils ont gelé en 56. En 56, tous les oliviers ont gelé par ici. Donc ce qu'on voit bien, par exemple sur celui-là, c'est assez clair, c'est que cet individu, vous le voyez, il semble posé sur ce vieux tronc. Donc ça, c'était ce qui était avant 56. Du coup, celui-ci serait plus jeune, mais la base, là c'est plus difficile à dire. On le sent quand même qu'ils ont une histoire qui vient de très loin. Ils datent peut-être de l'origine de l'abbaye primitive, hein, qui a été fondée en 999 par les moines bénédictins, puisque les moines cultivaient l'olivier, la vigne et voilà toutes ces essences méditerranéennes. Donc 1000 ans, voilà, on pense. C'est pour certains sujets en tout cas. À la fin du jour, depuis les terrasses, le spectacle se renouvelle. Sur l'autre rive du Rhône, la cité des papes flamboie. Depuis près de 700 ans, ce palais gothique nous conte l'histoire de ces papes venus fonder en terre de Provence une nouvelle Rome. Je vous retrouve à une quarantaine de kilomètres d'Avignon, au cœur du comtat venaissin. Au Moyen-Âge, l'influence des papes s'étendait jusque sur ces terres qui faisaient alors partie des États de l'Église. Elles ne seront rattachées à la France qu'en 1791. Un édifice domine ce paysage, le château du Barroux, l'un des plus beaux châteaux renaissance du Vaucluse. À sa construction, c'était une forteresse militaire. À la Renaissance, elle a été transformée en riche demeure avec une loggia juste au-dessus de la cour et des fenêtres à meneaux typiques de l'époque. À la Révolution, ce château aurait bien pu disparaître du paysage puisqu'il a servi de carrière pendant 150 ans. Heureusement, au début du XXe siècle, il a été sauvé par les propriétaires et des bénévoles passionnés. Je vous emmène maintenant en contrebas sur une autre terrasse pour cette fois admirer les toits du village. Sur ma gauche, vous découvrez le mythique Mont Ventoux. Il culmine à plus de 1900 mètres et depuis près de 30 ans, il est classé réserve de biosphère par l'UNESCO. On le surnomme le Mont Chauve ou le géant de Provence. Nous partons justement dans le pays du Mont Ventoux. Des villages perchés, des espaces protégés et dans la plaine, Carpentras, l'ancienne capitale du comtat venaissin. Nous débutons notre voyage à Orange, réputé pour son théâtre antique, qui n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Orange et les monts de Vaucluse, c'est un sujet d'Isabelle Thomas, Mathieu Houville et Guy Sabin. Orange est une démonstration du savoir-faire de Rome. L'Empire romain y a laissé un héritage aujourd'hui inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un patrimoine qui a survécu au temps. Louis XIV l'appelait la plus belle muraille de son royaume. Avec son mur de Seine de 37 mètres de haut, le théâtre d'Orange fait référence. Cela n'est pas le plus grand théâtre de Gaulle. Le théâtre d'Autun est plus grand. Il y a d'autres théâtres dans le monde romain qui sont plus grands. Mais c'est celui dont le mur de Seine est le mieux conservé en Occident, de tout l'Occident romain. À mesure des campagnes de restauration,
les chercheurs se font une idée plus précise du décor d'origine. Il faut imaginer un mur qui est beaucoup plus clair. Toute une gamme chromatique qui est différente de ce calcaire, bien sûr, puisque les marbres étaient colorés, mais il y avait beaucoup de marbre blanc. Et le marbre blanc, bien sûr, on le voit très bien, joue de manière très différente avec la lumière. Alors, on ignore s'il était peint. Probablement, il l'était, en partie. Donc, en fait, on a beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui l'aspect originel de ce mur de Seine, même si on en a toute l'élévation en hauteur conservée. Pour la première fois, voici reconstitué le théâtre en 3D par les équipes d'Emmanuel Rosseau. Un théâtre encore plus imposant, avec ses 3 étages de colonnes et ses marbres de couleur. Et pour abriter les quelques 10 000 spectateurs des gradins, le Vélum, ce système de grands voiles repliables au-dessus du vaisseau de pierre. Autre découverte, en haut de ce long escalier, les coulisses du théâtre antique. Sous la conduite de Frédéric, le gardien du temple, nous voici entre le mur de Seine et le mur extérieur. Un ensemble conçu dès le départ pour les machineries du théâtre. C'est extraordinaire de pouvoir circuler dans un bâtiment antique conservé de cette manière. C'est une expérience unique. Je ne connais aucun autre monument. En tout cas, je n'ai pas eu l'occasion de visiter un autre monument qui soit aussi majestueux et aussi bien conservé. Nous gagnons le centre du mur de Seine et débouchons alors sur un balcon inattendu, 25 mètres au-dessus de la Seine. On est dans la grande niche centrale du mur de Seine, à l'arrière de la grande statue dite d'Auguste, qui attirait tous les regards pour tous ceux qui étaient assis dans les gradins. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Depuis 1951, la statue de 3,50 m est devenue l'effigie du théâtre d'Orange. Le théâtre s'est construit sous le règne d'Auguste. C'est donc lui qu'on a voulu voir représenté en armure. Sauf que Auguste ne serait pas Auguste. Auguste est très rarement cuirassé dans sa représentation statuaire. Et surtout, les fragments de cuirasse qu'on a conservés relèvent d'une date bien postérieure à l'époque d'Auguste, en fait. Donc, évidemment, on a probablement un empereur, très probablement un empereur, mais sans doute pas Auguste. Vue d'aussi près, la statue révèle un véritable puzzle. Le trait le plus surprenant, peut-être, de cette immense effigie, c'est qu'elle a été réalisée à partir d'un assemblage très hétéroclite de marbre, qui, en réalité, ne sont pas jointifs et n'appartiennent probablement pas tous à une seule et même statue. Les Romains bâtissent Orange au 1er siècle avant notre ère. Outre le théâtre, ils élèvent ensuite, à l'entrée de la ville, un arc que l'on pourrait prendre pour un arc de triomphe. L'arc enjambe la voie d'accès à la ville. Il annonce la colonie romaine et ses décors relèvent du répertoire militaire classique avec armure, bouclier et combattants. Alors, vraiment, vous avez une bataille qui est idéalisée avec donc des combattants romains et des combattants barbares. Et les combattants romains sont en situation de victoire, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tuer Gaulois ou barbares qui sont donc soit au sol, soit encore en train de chuter de leur cheval. L'arc n'est pas là pour célébrer véritablement un triomphe. Les triomphes militaires étaient réservés à Rome, la capitale. Simplement, il est là pour commémorer malgré tout ces importantes victoires des légionnaires romains aux confins de l'Empire. Le monument garde un mystère. Le texte dédicace a disparu, victime de sa richesse.
Cette dédicace était inscrite en lettres de bronze doré, qui était fixée dans la pierre. Et bien sûr, ces lettres ont été pillées par la suite. Et aujourd'hui, il ne reste plus que les petits trous de fixation de ces lettres de bronze. C'est le seul indice qui reste et qui, du fait, est difficile à décrypter, puisque les lettres de bronze étaient fixées soit par un tenon, deux tenons ou trois tenons, et qu'en plus, ce n'était pas systématique, c'est-à-dire qu'une même lettre pouvait avoir un mode de fixation différent d'un endroit à l'autre de l'inscription. Les chercheurs ont fini par reconstituer un texte en l'honneur de Tibère. L'arc d'Orange a eu plusieurs vies. Au Moyen Âge, il est transformé en donjon. Ses porches sont comblées et la tour ainsi formée est rehaussée de créneaux. Ce n'est qu'en 1820 qu'il retrouve sa forme actuelle. Mais les archéologues ont conservé une transformation inattendue. Jean-Marc Mignon doit recourir à une nacelle pour se hisser à hauteur des chapiteaux des colonnes. Là, une pierre pivote qui découvre une salle insoupçonnée. Au Moyen Âge, l'espace ainsi aménagé pouvait être une salle de garde ou un poste de défense avancé. Jean-Marc Mignon nous entraîne au sommet de l'arc, où le point de vue est inédit. Alors là, on est face à la ville et on voit tout au fond le théâtre, la masse du théâtre. Il manque à côté la masse du forum. Et sur le sommet de la colline, on devine les fondations du sanctuaire, donc une espèce de mise en scène de la ville romaine à partir d'un point de vue unique qui est son arrivée depuis le nord. C'est une vraie mise en perspective de la ville antique, qui était une vitrine, c'est une ville coloniale, et elle est là pour en fait montrer combien l'Empire romain est puissant et combien il maîtrise la nature, les éléments et l'urbanisme. Nous quittons Orange pour Carpentras. Pour les Romains, Carpentras est un carrefour d'échange entre l'Italie et la Gaule. Au Moyen Âge, c'est à Carpentras que le pape Clément V s'établit avant Avignon. La ville abrite toujours un témoin exceptionnel de son histoire. La plus ancienne synagogue de France, encore en activité. Katia Freund nous en ouvre les portes. La salle de prière a été remaniée au XVIIIe siècle. Son décor est une illustration d'un art de l'époque, celui du trompe-l'œil. Tout est en bois. Les colonnes que vous avez derrière vous sont aussi en bois. Les deux seules choses qui sont en marbre dans cette synagogue, ce sont les deux tableaux noirs que vous voyez là et qui représentent les 10 commandements. La salle est embellie par une autre tradition, celle que les familles avaient d'offrir un lustre à chaque fête célébrée à la synagogue. Ce n'est pas un hasard si ce lieu de culte s'élève ici, 53 ans après le règne de Philippe le Bel, au XIVe siècle. À cette époque-là, les Juifs avaient été chassés du royaume de France par Philippe le Bel et ils ont trouvé refuge dans le comtat venaissin qui appartenait à la papauté. Donc c'est à partir, si vous voulez, de cette époque que les communautés juives se sont retrouvées dans le comtat venaissin, et en particulier, j'abrège un peu sur l'histoire, et en particulier dans quatre villes qu'on appelait les villes saintes, c'est-à-dire Carpentras, Avignon, Cavaillon et l'Isle-sur-Sorgue. L'assemblée elle-même s'organise différemment. Dans la majorité des synagogues de France, les femmes sont à l'étage. Mais ici, comme vous êtes dans une synagogue très, très particulière, vous avez les messieurs qui se mettent là à votre droite,
ou à ma droite plutôt, et les dames qui se mettent à gauche. Nous sommes dans la même pièce. Katia nous invite à remonter les siècles sous la synagogue de Carpentras, dans un autre lieu de cérémonie, moins public. Alors là, vous voyez ce qu'on appelle un mikvé. C'est un bain rituel de purification. Il existe depuis quand même 650 ans, donc il était là avec la synagogue. Vous avez 7 paliers de 7 marches. C'était conçu pour arriver à l'eau qui était en bas. Mais depuis, je dirais, les siècles, l'eau, par infiltration, continue de monter. La synagogue de Carpentras est la seule à tout réunir dans un même lieu. Bain rituel, boulangerie et salle de prière. Ce qui explique peut-être sa vitalité. La synagogue est ouverte à tout le monde. C'est vraiment un lieu de vie. Quand je dis vie, c'est vie avec un grand V, un grand I et un grand E. On prie dans une synagogue. On chante dans une synagogue. On danse dans une synagogue. C'est pour ça que la synagogue, c'est une porte ouverte. Tout près de là, aux sources de la Sorgue. C'est au pied de la falaise que l'eau apparaît. Ce gouffre libère la rivière jusque-là souterraine. La Sorgue fait son lit au creux d'une vallée close, Vallis Closa en latin, qui a donné le nom Vaucluse. Exceptionnellement pure, les eaux de la Sorgue nourrissent la roseraie. Un hectare de roses de mai, dont la cueillette a commencé. La Baptistine, c'est une rose unique. Une rose à parfum que récolte aujourd'hui Roselyne Georgis, agricultrice et parfumeuse. Une rose historique. La Baptistine, c'est une renaissance de roses perdues au XVIIIe siècle qui a fait la fortune de grâce au XVIIe siècle parce qu'elle a un parfum de cœur qui se fixe sur le cuir. Donc, les gants pouvaient, grâce à ce parfum-là, se porter à la cour sans avoir plus l'odeur de la peau. Vers 1800, une bactérie a détruit cette rose. Le père de Roselyne était parfumeur à Grasse. Il a consacré sa vie à la faire renaître. Sa rose porte aujourd'hui son nom grâce à sa fille, Roselyne, qui s'est accrochée à ce fragile héritage. Mon père a quitté ce monde en me laissant un rosier, en me disant « je l'ai trouvé ». Et moi, j'en ai fait un deuxième par sécurité. Mais pour la distillation, il fallait un champ. Je ne pouvais pas distiller avec deux pots de fleurs. On a d'abord fait un champ de 500. Et puis 500 boutures, ça donne 5000 boutures. Et ici, on a 3500 rosiers. Comme son nom l'indique, la Baptistine Santifolia a 108 pétales. Mais pour la reconnaître à coup sûr... Il faut mettre le nez dessus. Sentez-la. Vous ne pouvez pas vous tromper par rapport au parfum. Elle est très, très particulière. Quand elles sont à ce stade-là, elles sont en train de faire leur parfum. Le parfum se forme à la racine des pétales, se diffuse... dans la spirale des pétales et reste emprisonnée par la texture des pétales. La cueillette ne peut se faire qu'à la main. Roselyne est aidée de bénévoles pour ne récolter que les roses fraîches. Après une journée de travail à la roseraie, Roselyne regagne Fontaine de Vaucluse et son laboratoire de parfums. Ce puits est sa botte secrète.
Elle l'a découvert avec la maison où elle s'est installée. Il est devenu une source très pure pour ses parfums. Elle est à quelle profondeur, l'eau ? La source est à 11 mètres de profondeur. Et elle vient d'où, cette eau ? Elle vient de la source de Fontaine de Vaucluse. C'est la même eau que celle que vous voyez dans les cascades. J'utilise cette eau à la fois pour cultiver les fleurs et pour élaborer la parfumerie parce qu'elle a un pH neutre et elle est vide de tout élément minéral. Là, on va mettre 6 kg de fleurs tassées. Le vieil alambic de cuivre est hermétiquement clos et la distillation commence. Après 2 heures, les premiers extraits de rose coulent du distilloir, l'hydrolat. Viendra ensuite l'eau de rose, moins concentrée. Il surgit de très loin. Le mont Ventoux est la montagne mère du Vaucluse. Un défi mythique pour les cyclistes et un territoire encore méconnu. Surtout sur sa face nord. Ce versant, bien plus sauvage, raconte encore mieux l'histoire de cette montagne. Nous sommes à près de 1500 mètres d'altitude. Et la première surprise, c'est cette forêt. On a tous plutôt en tête le sommet pelé du Mont Ventoux. Mais à l'origine, la forêt couvrait toute la montagne. À l'origine, tout était boisé, mais à partir du XVIIIe siècle, notamment de la Révolution, beaucoup de habitants du secteur sont venus se servir. Et on fait des coupes anarchiques, ce qui fait qu'au milieu du 19e siècle, la montagne était un tas de pierres concassées. Et on trouve encore des traces de cette forêt primitive au travers de ces hêtres et de ces sapins. On dit que c'est une partie de la forêt relique. Hein. Et ce sont des arbres tout à fait étonnants et qui sont des traces de la forêt primitive. La forêt est classée réserve biologique intégrale. Ces arbres centenaires prennent parfois des formes poétiques, comme ces candélabres. Ou cette Vénus, prisonnière de l'écorce. Ils sont bas. Il y a 2 chameaux, regarde. Tu vois, ils traversent le pierrier, là. Tu les vois? Voilà, il y a 2 chameaux qui traversent. Tu les vois en bas? Ici, la faune est plus alpine que provençale. Moins fréquentée des hommes, la face nord du Ventoux est leur habitat naturel. Bernard s'engage maintenant sur les pierriers de la montagne. Des cascades de roches qui se sont détachées de la paroi. Il faut assurer son pas sur les pierres instables. C'est à cette faille que Bernard Mondon nous conduit. À flanc de montagne, la dimension du Mont Ventoux nous apparaît alors clairement. En taillant la paroi, la faille est une étonnante grotte. Alors là, on n'est plus sur la montagne, on est dans la montagne. On est dans les entrailles du Ventoux. La grotte est étroite. Elle se poursuit par une galerie d'où provient un étrange courant d'air froid. C'est la montagne qui respire. Mais la montagne, elle ne s'offre qu'à ceux qui font silence,
qu'à ceux qui tendent l'oreille, à ceux qui font amitié avec elle. Cette bise vient directement du sommet par des cheminées naturelles. De quoi donner naissance à la légende. Selon la tradition, Éole avait enfermé le Mistral, les vents, dans cette grotte. Et de temps en temps, les vents enrageaient et il est libéré. Et c'est ainsi que le Mistral allait balayer toute la Provence. Le Ventoux a toujours abrité les moutons. La taille des cheptels a seulement changé. Aujourd'hui, deux grands troupeaux se partagent le massif du Ventoux. Bernard nous conduit jusqu'au berger. Les brebis de Marc Giardini viennent de prendre leur quartier d'été en altitude. Le Ventoux, c'est déjà notre poumon à nous. Parce que toute la journée, on voit le Ventoux. Même quand je suis dans mon jardin, je vois le Ventoux. C'est votre point de repère, c'est un peu un phare pour vous. C'est un phare, c'est le, depuis notre jeune âge, le, ce qui a alimenté les histoires. Mon grand-père maternel était éleveur. Mon père a eu gardé des brebis. Et moi, j'ai eu patience. Ah oui, oui, oui. C'est ah, c'était un métier, attention, berger, c'était un métier à part entière. C'est pas simple. Hein. Et est-ce que l'herbe du Ventoux a une saveur particulière? J'en ai jamais mangé. Alors, mais de tout temps, de tout temps, il y a eu des troupeaux sur le Ventoux, à savoir qu'à une époque, il devait y avoir peut-être 30 troupeaux. Là, on est face à un des rares bergers, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus que deux gros troupeaux. Deux familles. Et c'est très intéressant d'évoquer avec eux toutes les problématiques liées à l'élevage, mais également les problématiques liées à la présence du loup, puisque maintenant, on sait qu'il y a des loups sur le Ventoux. Les loups se déplacent en meute de 6 à 8 bêtes. Les chiens patous et les bergers ne quittent jamais le troupeau, de jour comme de nuit, pour protéger les moutons. Et le patou, là, cette race de chien, elle est vraiment efficace pour empêcher le loup de venir attaquer. Oui, c'est un bon protecteur, mais surtout encore... Pour le loup, on connaît quelques limites. Pour d'autres prédateurs, alors là, il n'y a aucun problème. Le patou, on peut dire que c'est du 100%. En bas, blotti au pied de la montagne, toujours côté nord, Savoyant se refait une beauté. Ici se pratique encore l'art de la calade, ou comment paver une voie pentue de pierres sèches. Un chantier mené par une association de valorisation du patrimoine. La calade, il faut que ce soit des pierres plantées à verticale. Il faut vraiment que ce soit ancré dans le sol. Si c'est simplement posé, là, au bout de 2-3 charrettes à l'époque qui passaient, ça faisait pas, hein. Ça se déchaussait, c'était... L'année dernière, les bénévoles avaient redessiné la venelle voisine. Aujourd'hui, ils préparent les chantiers de l'été. Un patrimoine qui a sa raison d'être. Non ? Il y a une vertu dans la calade qui est que c'est pas étanche, quoi. Donc on prévient aussi le risque d'inondation. Et ici, quand il pleut dans le sud de la France, on sait ce que ça peut faire, quoi. Faisons la Romagne, pas loin d'ici. Et donc là, l'eau s'infiltre et ça évite l'érosion des sols et les crues. En anglais, patrimoine, c'est heritage. C'est notre héritage, c'est à nous. Donc c'est pris en charge par tout le monde. Donc c'est comme ça que c'est entretenu. Et c'était un travail aussi collectif, comme on fait maintenant avec les chantiers de bénévoles. C'est que tu avais les voisins qui venaient, comme quand on fait les moissons, ben voilà, on appelle les voisins, on paye un coup à tout le monde. On fait ça, on est 10-15 à travailler, donc ça va vite. Et ça permet comme ça d'avancer les choses. Voilà, ça y est, ça va. En 2 à 3 semaines, les bénévoles vont ainsi paver les 20 mètres de la rue. Nous arrivons enfin à Vaison-la-Romaine.
Lors de leur conquête de la Gaule, les Romains en ont fait une de leurs plus riches provinces. Vaison est une des rares villes de France à compter deux cathédrales. L'une, près de Louvèze, et l'autre, dans la ville haute où nous sommes attendus. Les ruelles de la ville médiévale sont à peine assez larges. Vaison la Romaine prépare un événement qui fera date à la vieille cathédrale de la ville haute. L'église reçoit ce matin ses premiers vitraux. C'est une entreprise allemande qui les a fabriqués. Nina Kaiser a accompagné jusqu'ici les pièces sur lesquelles elle a travaillé. Ils sont répartis de part et d'autre. Il y en aura un au-dessus de l'entrée et d'autres à droite. Après plus de 900 km, les derniers centimètres sont les plus délicats. La plus grande pièce est posée avec d'infinies précautions. Nina assure une dernière fois le châssis. C'est une belle émotion. À l'atelier, pendant la fabrication, on a fait une première mise en place pour se rendre compte de ce que ça donnait. Mais le voir ici, dans l'église, c'est un vrai beau moment. Vous avez eu peur ? Peur, non. Du respect, surtout. Comme toujours avec le travail du verre. Là, c'est splendide. Le soleil est arrivé. Patrick Néra préside l'association qui restaure et anime l'église. Ces vitraux sont une grande première en 550 ans. Cette église n'a jamais eu de vitraux. Dans toute l'histoire, on n'a jamais trouvé trace de présence de vitraux. Il y avait ici des fenêtres qui ont été posées au XIXe siècle avec du verre blanc, tout bêtement. Mais on n'a pas connaissance de présence de vitraux. Il semblerait qu'on n'en ait jamais fait. Ces nouvelles fenêtres sont de véritables œuvres d'art conçues par un moine dominicain, le père Kim. Un Coréen. Voilà, bonjour. Le mardi, c'est jour de marché dans les rues de la ville basse. Un jour que ne manquent jamais Patricia et Walter Wells. Ces Américains se sont installés à Vaison il y a plus de 30 ans. Bonjour, good morning. Ça va? Ça va. Vous voulez goûter le melon? Allez, madame, s'il vous plaît, approchez-vous. C'est le Cavaillon? C'est le melon de pays de Cavaillon. Est-ce que c'est bon? Elle était critique gastronomique. Formidable, formidable. Merci. Et lui, correspondant de presse. Très bon. Madame, on goûte. Vous aimez faire le marché? Ah, j'adore. Même si on est juste tous les deux, j'ai rempli le chariot et je rentre chez moi, je... Oh, qui veut manger tout ça? Prochain arrêt. Et bonjour, Josiane. Chez la meilleure ouvrière de France. Et bonjour. Qu'est-ce que vous avez de nouveauté aujourd'hui? Josiane Déal est leur fromagère attitrée. Elle les initie au fromage du cru, contribution locale à la grande carte des fromages de France. Est-ce que tu as goûté le pavon marbré? Fut un temps, on disait la France aux mille fromages avec oui. Toute variété, toutes sortes confondues, mais je pense qu'on y est toujours, hein, même peut-être plus. Mais est-ce que, tu sais, De Gaulle a dit que c'était impossible de gouverner un pays avec 350 fromages, et maintenant... Est-ce que le pays devient... Eh bien, c'est peut-être pour ça qu'il est comme ça, c'est ça. C'est peut-être pour ça.
Après le marché, Patricia et Walter regagnent leur maison sur les hauteurs de la ville. Cette ancienne ferme, ils l'ont découverte en 1982, lors de leur premier séjour en Provence. Un séjour qui allait changer leur vie. Il y a des amis de New York qui avaient loué la maison. Et l'année suivante, c'était fabuleux. L'année suivante, étant très créatif, j'ai dit, oh, mais c'est notre tour, on va louer cette maison. On a téléphoné à la propriétaire qui a dit, ma petite maison n'est plus à louer, c'est à vendre. C'est ainsi qu'ils se sont installés, en achetant puis en restaurant les murs et les pièces. Mais la salle principale reste la cuisine, où Patricia organise des stages gastronomiques pour y enseigner les recettes de France et de Provence. Une autre façon de prendre racine. Au début ici, on était reçus très très bien parce qu'on a partagé l'amour pour la cuisine, les bons produits et tout ça. Donc je crois que les Français d'ici, les Maisonnais, beaucoup apprécient le fait que j'aime la cuisine, j'aime apprendre des choses. Avec son jardin et ses vignes, la maison de Patricia et Walter est une ode à la Provence. Tous les deux aiment sillonner leur région, car le Vaucluse est devenu leur patrie d'adoption, une famille choisie, loin de leur terre natale. C'est ici que je respire. C'est ici que je suis vraiment chez moi. Douce France, le pays. C'est un endroit magique. Et depuis le début, c'était un endroit magique. Regarde ça. C'est pas beau, ça. Sablé, petit village, très romantique. Le Vaucluse est ainsi une invitation permanente au voyage, au rêve et à la beauté. Dentelle de Montmirail s'impose dans ces paysages du nord du Vaucluse. On est intrigué par cette curiosité géologique très rare. Ces barres rocheuses datent du Jurassique. Elles se sont érodées et dentelées au fil du temps. L'homme a su s'adapter à ces reliefs escarpés en construisant notamment des villages accrochés à la roche. La Roque Alric en est l'un des exemples les plus pittoresques et des plus étonnants, avec sa petite église perchée. Nous dominons maintenant les champs d'oliviers, les vignobles qui rythment les collines du Vaucluse. C'est un paysage harmonieux, repensé et remanié par l'homme après le grand gel de 1956 qui a détruit les plantations. Vous le voyez, tout a été composé comme un tableau en respectant les lignes et les courbes. Je vous emmène à présent plus au sud, dans le parc naturel régional du Luberon. Ce sont les papes qui ont introduit au XVe siècle la culture du melon, qui fait toujours la réputation de Cavaillon. Cette région est aussi renommée pour la culture de la lavande. À l'abbaye de Sénanque, les moines continuent de perpétuer la tradition. Couleur du Luberon, c'est un film de Claire Lajeunie et Bertrand Rubé. Au cœur du Luberon,
s'étendent des hectares de champs de lavande, symbole de la Provence. On peut croire à une mer de lavande, à un océan de bleu, même violet, ça tire sur le violet. De nombreux peintres sont venus s'installer ici à la recherche justement de ces couleurs si particulières du Luberon. C'est super beau. Et alors là, avec la voiture forcément toute ouverte, on profite de tout pleinement. En 2015, Laurent Estibal a eu l'idée de faire découvrir son territoire au volant d'une voiture mythique. C'est une histoire d'amour entre la deux chevaux et moi. Cette histoire, elle a commencé, j'avais moins de 5 ans. Et on avait un voisin qui nous amenait à l'école en deux chevaux et j'ai gardé en mémoire ces odeurs qu'on retrouve toujours dans la deux chevaux, ces bruits et le moelleux de cette suspension. Et bien des années plus tard, dans les années 2000, je travaillais pour quelqu'un ici, dans ce secteur du Luberon, et je faisais des petites visites accompagnées, mais en minibus climatisé. Et j'avais imaginé que ça serait peut-être plus sympa de les faire à bord d'une deux chevaux, de cette façon-là, décapotées, sur des petites routes, au lieu d'emprunter les grandes routes, pour profiter vraiment de ce que nous offrent ces paysages du Luberon. On a vraiment un patrimoine très riche ici, culturellement. On a énormément de villages perchés, qui étaient perchés donc pour leur défense, avec énormément de châteaux. Là, on va arriver au village de Lacoste, où justement, il y a le vestige de ce fameux et réputé château de Lacoste, qui a appartenu au marquis de Sade. Édifié au Moyen-Âge, le village de Lacoste est l'un des plus anciens du Luberon. Au sommet, les ruines du château. En 2001, c'est Pierre Cardin, le célèbre couturier qui sauve l'édifice pour en faire un lieu d'exposition d'art contemporain à ciel ouvert. Là-bas, on voit une des références du Vaucluse et ici de la région, c'est le Mont Ventoux, 1900 mètres, avec le sommet entièrement caillouteux. Donc on a l'impression que c'est de la neige, effectivement, parce que c'est beaucoup plus clair, c'est quasiment blanc. En redescendant, on a toute la chaîne des monts de Vaucluse. Et juste un peu en bas, là, le premier village que vous apercevez, c'est Roussillon. Alors on aperçoit à travers les arbres la couleur des champs de lavande qui commence à dominer dans ce violet, justement, qui est si particulier. Il y a aussi ici beaucoup de vignes, parce qu'on est quand même ici en appellation, l'appellation Côte du Luberon, bien sûr. Tout est présent ici, dans cet endroit, dans cette plaine. C'est juste magnifique. Deuxième étape du parcours, un village plus discret. Alors là, nous arrivons à Goult, qui est une ancienne ville fortifiée où il y a encore les remparts présents autour du village. On traverse le village, on va passer sous les portes de la ville fortifiée. Il suffit simplement d'avoir une voiture aussi étroite que celle-là. Là, on a l'exemple même de ce que j'aime voir et ce que j'aime montrer. Les constructions qui sont bâties directement à même la roche, on voit bien les strates là, et l'immensité de ces murs au-dessus de notre tête. Je trouve ça vertigineux et magnifique. On est coupé de la civilisation moderne. Et puis, à part le bruit du moteur, on n'entend rien d'autre. Pour dénicher la perle rare, Laurent n'hésite pas à sortir des sentiers battus et à pousser les limites de sa deux chevaux. Ça secoue un petit peu. Ouais. Donc j'ai trouvé ce chemin il n'y a pas longtemps du tout et j'en suis vraiment très fier parce que là, on est complètement en dehors des routes goudronnées et on se retrouve en pleine forêt, sous les pins. Il y a quelques chênes aussi un peu plus loin. Et là, on va arriver à un endroit magique, magnifique, caché des regards, une jolie carrière d'ocre. Le massif des Ocres colore le Luberon. Avec ses falaises rouges et ses pitons rocheux qui s'étendent sur 30 hectares, on le surnomme le petit Colorado provençal. Depuis l'Antiquité, l'ocre était exploité comme colorant. Aujourd'hui, la plupart de ces carrières sont redevenues sauvages.
On se trouve dans un endroit justement qui n'est pas répertorié, qui est resté complètement à l'état et qui n'est pas connu. Et moi, ça me... Comment dire, ça... Je suis content d'en avoir quasiment la primeur pour justement faire découvrir cet endroit que j'affectionne particulièrement parce qu'ici, on est seul. On a juste le bruit du vent dans les arbres. On a le soleil. On a les senteurs. Là, on se retrouve en plein cœur de la nature. Au pied des carrières, à Gargas, cette ancienne usine d'ocre abrite une collection unique au monde. Celle de Régis Mathieu, artisan lustrier depuis 3 générations. J'ai créé ce lieu pour ne mettre que des lustres anciens. Là, on a quasiment 500 lustres exposés. Et on arrive directement sur un des lustres que j'affectionne le plus, qui est le plus ancien lustre de la collection. Je me suis battu contre un musée qui le voulait aussi. Qui est un lustre que l'on peut dater antérieur à 1434 parce qu'il est sur un tableau de Van Eyck, les époux Arnolfini. Sur ce tableau, tout est symbole. La manière dont ils sont habillés, une seule bougie sur le lustre, le miroir dans lequel on voit le peintre en train de peindre le tableau. Enfin, ce tableau est vraiment important pour les arts décoratifs. Et moi, j'apprécie beaucoup ça, de pouvoir sortir ces objets de leur environnement pour qu'ils racontent leur propre histoire, parce que c'est vrai que ces lustres sont vraiment liés aux histoires des empereurs, des reines, de Catherine de Russie, de Napoléon, etc. Et là, vous avez ce qu'on appelle un lustre qui a été fait pour la marquise de Pompadour. Et il est tout plein d'anecdotes sur l'histoire de la marquise de Pompadour. Elle tombe amoureuse, ou Louis XV tombe amoureux d'elle. Le symbole de l'amour à l'époque, ce sont les perdrix. Et puis, vous avez Cupidon, pour ceux qui n'ont pas bien compris le message. La marquise de Pompadour, roturière, va faire de l'immobilier avant l'âge. Donc, elle va acheter des châteaux, meubler des châteaux, revendre des châteaux, en imposant ce style qu'on va appeler Pompadour, rocaille, en tout cas, qu'en France, on appellera Louis XV. Au XVIIIe siècle, les meubles français, les bronzes dorés français, ce sont les plus belles choses au monde. Comme la peinture avec la Renaissance italienne ou d'autres pays ont eu comme ça des apogées. Nous, le XVIIIe et le mobilier, c'est vraiment l'apogée. On le doit aux artisans, aux corporations qui faisaient ces objets-là. Et la France a rayonné mondialement à cette époque-là. Aujourd'hui encore, la maison Mathieu, héritière de ce savoir-faire, restaure des lustres pour les plus grands monuments historiques. Donc ça, c'est d'une des lanternes du Palais Royal, hein, avec le N de Napoléon, que l'on a décapé, que nous sommes en train de repeindre, puisque ces lanternes avec les intempéries sont très abîmées. Beaucoup de lustres se restaurent dans le Luberon. Il faut imaginer que des lustres viennent de Rome, de Russie, des palais des Maharajas, pour être restaurés dans le Luberon. Et c'est vrai, quand on fait tant des carnets ATA, vous savez, c'est la douane temporaire pour que les objets ne nous appartiennent pas, ils sont juste là pour être restaurés. Tout le monde est surpris de voir marqué Gargas, mais c'est où ça? C'est dans le Luberon. Ce qui est rigolo, c'est que grâce à nous, ces objets qui ont le stress de la vie parisienne toute la journée, des embouteillages et des pigeons parisiens qui sont pas gentils du tout avec les lampadaires, viennent ici dans le Luberon pour prendre un petit bain de jouvence. En plus des restaurations, la maison recrée des lustres anciens dans la plus pure des traditions. Depuis plusieurs mois, toute l'équipe est mobilisée pour une commande exceptionnelle. La reproduction de 7 lustres du Kremlin pour un client chinois. On monte une pièce un peu délicate parce qu'elle est assez lourde. C'est la couronne du haut du lustre. On fait vraiment l'assemblage du lustre, comme un puzzle en fait. Un des secrets de fabrication de ces grands lustres qui pèsent 2,5 tonnes, c'est qu'on va mettre une deuxième sécurité avec un câble à l'intérieur pour tenir le lustre au cas où une des pièces se casse. Tout est tenu par un câble de sécurité. Et ça ne se voit pas, mais ça nous permet de nous garantir quand même que ces 2,5 tonnes ne risquent pas un jour d'avoir la mauvaise idée de tomber. Imaginez à Paris, dans le sous-sol d'un petit atelier du Marais, on n'aurait eu jamais la chance de pouvoir fabriquer 6 lustres comme ça et un 7e plus grand. Donc on a vraiment cette chance, nous on peut les monter ici, vérifier tous les problèmes de sécurité, d'éclairage, de savoir vraiment que tout fonctionne du lustre complet. Et après on le démonte et on va le remonter en Chine. Au final, chaque lustre en bronze doré à leur fin mesure près de 8,50 m et compte plus de 200 lumières. Là, on est à 8 mois de travail pour réaliser ce lustre.
Ce qui a l'air peut-être long quand on le dit comme ça, 8 mois d'attente pour le client, mais qui pour nous était un travail colossal. On a déjà fait des lustres plus grands que ça pour l'Opéra de Philadelphie, pour l'Opéra de Monaco, pour l'Opéra de Paris, pour le Théâtre de l'Odéon, mais jamais 6 fois le même dans une même salle. Là, il faut être dans la démesure justement de ces grands empires qui sont la Russie ou bien la Chine. Et puis, c'est toujours pareil à la lustrerie, c'est un challenge. Quand ce challenge-là sera fini, on sera soulagé d'un côté, mais c'est vrai triste qu'il soit fini, mais je suis sûr qu'il y a un nouveau qui commencera. Plus au sud, à 20 km de là, Lourmarin. Face au village, se dresse un château d'inspiration italienne. Cette façade, c'est la première façade Renaissance en Provence, qui est très symétrique, avec 3 rangées de fenêtres sur 3 hauteurs de fenêtres, rythmées par les corniches à chaque fois. Le château a 2 périodes de construction, une partie médiévale 15e, qui est la partie à droite de l'édifice, et la façade, c'est la façade Renaissance 16e. Cette tour fait complètement la transition entre les 2 châteaux, puisque du côté de la partie médiévale, les fenêtres sont simples et très peu décorées, alors que du côté Renaissance, on retrouve les doubles fenêtres décorées justement de colonnes et de chapiteaux. À la Renaissance, on cherchait à faire des châteaux esthétiques. Depuis 2003, Caroline Gallina se passionne pour l'histoire de ce château. On a ici vraiment, dès l'entrée du château, la présence du joyau architectural qui est l'escalier à vis à double torsade. Chaque marche est monolithique, c'est-à-dire taillée dans un seul bloc de pierre. C'est la même pierre qui va partir du bout de la marche qui fait ici la tranche de double torsade. Chaque marche est taillée différemment pour faire 360 degrés de torsade. Et ce qui est épatant également, c'est que le prolongement de la marche s'imbrique dans le mur et participe à l'élévation de la tour. Donc vraiment, la vis, l'escalier et la tour, c'est comme un bloc. Si on enlève une marche d'escalier, la tour vacille. D'ici, on comprend très bien l'emplacement stratégique où est construit le château, à savoir juste à la sortie de la seule route qui permettait de traverser le Luberon dans sa largeur. C'est cette gorge qu'on voit très bien d'ici. Donc le Lourmarin faisait même office un petit peu de péage. Ce monument, ouvert au public, n'a pas toujours été dans un si bel état de conservation. Le château a connu de longues années d'abandon. 18-19e, le château est vraiment tombé en ruine. Il n'y avait plus de plancher, tout le château vieux était à ciel ouvert, il y a une partie de l'aile Renaissance également. Et il a été alors plusieurs fois sauvé de la ruine à différentes époques. La dernière en date, c'est en 1920, quand le château est le coup de cœur d'un riche industriel lyonnais qui s'appelait Robert Laurent Vibert. Il est, en passant à Lourmarin, tombé amoureux de ce château en ruine. Il a décidé de le racheter le soir de son arrivée à Lourmarin et il a décidé d'entreprendre des travaux de restauration. Plus qu'une restauration, c'est une véritable reconstitution qu'effectue Robert Laurent Vibert. Passionné d'histoire, il s'appuie sur des archives et des gravures anciennes pour décorer chaque pièce. Il crée aussi une bibliothèque pour abriter sa collection personnelle de plus de 28 000 ouvrages anciens. Daniel Antonelli veille sur ce patrimoine qui compte de véritables trésors, comme cette première édition de la célèbre encyclopédie des philosophes, Diderot et d'Alembert. Ne jamais tirer un livre comme ça, parce que vous finissez par casser ici l'ardillure, donc il faut le sortir comme ça. Chacun de ces volumes a plus de 250 ans. Alors vous voyez, regardez, c'est dans un état parfait. Vous avez les coquillages, vous avez bon... C'est un ouvrage encyclopédique, hein, donc vous avez absolument tout. Ah, c'est toute la gravure. Chaque planche, c'était tout ce qu'on avait. On n'avait pas à l'époque, il fallait graver et après imprimer sur du papier chiffon.
C'était extraordinaire pour regarder les animaux. Afin d'ouvrir cette bibliothèque au public, Daniel et Caroline sélectionnent les ouvrages qui seront exposés. Vous avez les ordres architecturaux classiques. Ici, vous avez le dorique, le ionique et le corinthien. Vous voyez les grandes colonnes. Ce dictionnaire est rare. Parce que ce qui est arrivé à ce dictionnaire, malheureusement, c'est qu'il a été dépecé par les antiquaires et les amateurs de gravure. C'est-à-dire que sur les marchés, vous achetiez une page. Donc là, ce qui est exceptionnel, c'est que nous avons tout le dictionnaire complet. C'est extraordinaire. Plus à l'ouest, les plateaux de Cavaillon. C'est ici qu'on cultive le melon depuis la Renaissance. Jean-Jacques Prévost est un chef étoilé. Il crée à la belle saison un menu sucré-salé à base de melon qui fait sa notoriété. Messieurs, bonjour. Au printemps, il ne rate jamais le premier jour de la récolte. C'est parti. Ce matin, il a rendez-vous avec la famille Ortiz, producteur de père en fils. Tiens, t'en as pas un beau là, regarde. Oh papa papa. C'est bon un peu. Ah ça c'est un beau melon calibré. T'as, t'as, il est magnifique. Regardez. Vous attendez là, tu vois. Ouais. Eh ben toi le même. Ça c'est des beaux melons. Tu vois, ça c'est des melons que j'aime. Ils sont lourds, ils sont denses, super. Ça c'est un vrai Cavaillon. C'est un vrai Cavaillon. Un vrai melon de Cavaillon. On touche vraiment du bout du doigt le fruit de notre travail, c'est-à-dire depuis 60 jours, on y est dessus. Voilà, bon, c'est toute une passion, il faut suivre ça, il faut le vivre à fond. Hein. Et puis après, bon, la récolte, c'est l'aboutissement. Celui-là, il doit être mûr à point, on va voir. On va contrôler de suite. Voilà. C'est sûr. Hein. Voilà, regardez, la chair bien orangée. Voilà, celui-là, il est mûr à point. Voilà, bon. Après, quand on nettoie, il faut toujours enlever les graines et garder tout le jus sur la tranche. Voilà. Et puis après, on commence à faire des... Alors, il est brillant, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sucre. Il y a d'une part... Très juteux. Très juteux. Voilà, la maturité est bien avancée. Là, on va goûter. Allez, Rémi. Ah oui. Très bon. Très bien. Très bon. Pour le premier, je pense qu'il est bien. Pour bien choisir un melon, il faut déjà qu'il soit joli, qu'il donne envie, donc qu'il soit bien galbé. Donc on est dans une belle rondeur, il a fini sa rondeur. Donc on a le pédoncule qui se défait légèrement ici, ça veut dire signe de maturité, là un melon qui est parfait. On va tourner autour, on va appuyer, c'est ferme. Donc on a un melon à point, on peut toujours se tromper sur un melon, c'est toujours très compliqué. Mais on arrive dans l'ensemble de ne pas se tromper. Ces melons fraîchement cueillis sont avec le homard les deux ingrédients principaux du plat signature de Jean-Jacques. Quand je suis arrivé en Provence, il y a 40 ans, à la suite d'une panne de voiture, j'ai rencontré ma femme sur le marché qui me vendait des melons. Donc, quand je lui ai dit, à part le melon jambon, qu'est-ce que vous savez faire? Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire autre? Et ça m'avait un peu surpris. Je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas inventer une cuisine, imaginer quelque chose. Et donc, j'ai imaginé une cuisine autour du melon. J'ai mis des années pour... vraiment des années. Et au bout de 10 ans, on a commencé à faire quelque chose de correct. Et ça fait maintenant 37 ans. Aujourd'hui, on a quelque chose de très correct. On va rajouter un petit peu de concentré de tomate. On va lier... La tomate est un liant naturel. Pas besoin de féculent dans cette recette. Il n'y a pas un brin de gras et pas un brin de féculent. Je veux que vraiment ce soit très light. Une recette facile à digérer. Le chef dépose ensuite les morceaux de homard directement dans le melon avant de les napper de bisque. On va rajouter les billes de melon. Voilà, on va les noyer dans la soupe. La force de cette cuisine-là, c'est qu'avec le même produit, la même chair de melon, on va décliner énormément de recettes. Donc aujourd'hui, j'ai dû avoir 120 ou 130 recettes. Donc c'est toujours avec la même chair de melon, les melons de Cavaillon. Mais ce qui fait l'originalité du plat, c'est la cuisson du melon pendant 20 minutes. Allez, c'est parti. Allez, deux melons cocotte, numéro 2, s'il vous plaît. Et voici. Merci. Magnifique. Il y a un mélange de saveurs, c'est pas mal. Chaud comme ça, j'avais jamais essayé. C'est vraiment très bon.
C'est superbe, c'est magnifique. C'est excellent, à goûter absolument, absolument. À une quinzaine de kilomètres se trouve le village perché d'Oppède-le-Vieux. Un site historique datant du Moyen Âge, dont on devine encore les vestiges. Construite sur un éperon rocheux, l'église Notre-Dame d'Alidon est en cours de restauration. Son imposante toiture de pierre blanche doit être entièrement changée. Un chantier difficile car les matériaux sont montés à la main sur plus de 600 mètres. Patrick Cohen, architecte du patrimoine au parc du Luberon, est en charge du projet. Là, on est en train de recaler les pierres qui recouvrent le contrefort. En fait, ce contrefort, comme les autres éléments qui émergent de la toiture, se gorgeait d'eau. Et voilà donc un exemple ici de pierre neuve qui vient de la carrière d'Oppède, hein, c'est la pierre d'ici. Pour l'instant, elle est brute. Le maçon va retravailler la surface visible avec différentes couleurs pour reprendre la couleur de la mousse et des lichens qu'on a par-dessus. Depuis plus de 20 ans, le site est préservé. Il est aujourd'hui classé patrimoine remarquable pour la beauté de ses ruines. On se retrouve en fait au cœur du Moyen Âge et le visiteur découvre au cœur de ce village cet assemblage romantique entre le végétal, les arbres qui poussent à l'intérieur des maisons et ces magnifiques murs du Moyen Âge. Et toute la problématique de la commune, c'est d'essayer de conserver ces ruines-là, de les cristalliser pour qu'elles cessent de s'abîmer et qu'elles gardent en même temps tout le romantisme de ce mélange entre la végétation et la pierre. On retrouve ce mariage entre le rocher qui est taillé et la maçonnerie médiévale. Quand on s'approche ici de ce socle rocheux, on retrouve à l'intérieur creusé des silos de stockage de nourriture, de grains. Et puis en même temps, on arrive à retrouver sur la paroi les traces d'outils qui permettent de creuser le rocher. Et puis on extrait ici la roche qui permet aussi de construire les maçonneries qui vont permettre la construction des habitations. À l'entrée du village, la maison de Virginie, l'une des rares habitantes qui vit ici toute l'année. Mon père a eu un coup de foudre pour Oppède dans les années 56. Il est venu en Provence. Il s'est installé dans la région. Et en 68, à ma venue, ils ont décidé d'acheter cette magnifique maison. Elle est datée entre le 10e et le 12e siècle. C'est l'ancienne maison des gardes. Donc c'est en fait une tour. Tout s'articule autour d'un escalier central sur 4 niveaux. Alors ici, on se trouve dans la pièce principale, la salle commune, où il fait bon vivre, on a la cheminée. Autrefois, il pouvait apparemment faire cuire un mouton à l'intérieur, chose que nous ne faisons plus. Cette colonne, est ce qui fait que la maison tient debout sans cette colonne. La maison se serait effondrée. Et mes parents ont vraiment vécu ici et travaillé ici. J'ai appris à marcher dans cette maison et surtout j'ai appris à marcher sur la calade d'Oppède, ce qui est pas mal. Oppède est un lieu magique, un lieu où on peut se recueillir et apprécier le silence, les oiseaux, la campagne. À la frontière du Luberon et des monts de Vaucluse, apparaît au creux d'une vallée l'abbaye de Sénanques. Fondée il y a 900 ans, elle est l'un des plus beaux témoignages de l'architecture cistercienne. L'abbaye abrite aujourd'hui une communauté de 6 moines qui ont accepté pour la première fois de nous faire découvrir leur quotidien, rythmé par 7 offices.
Hosanna au plus haut des cieux. Frère Jean-Baptiste a rejoint l'abbaye il y a 30 ans et en connaît toute l'histoire. Le cloître, c'est le point central de tout monastère. Un lieu plaisant. Surtout qu'il y a aussi la symbolique du préau du cloître, qui est le paradis retrouvé, en quelque sorte. Et donc, nous avons des grandes ouvertures dans les galeries à Senanque, et elles sont soutenues par trois arcades. Vous voyez, et ces arcades sont doubles. Et la particularité, donc, c'est que les chapiteaux sont semblables. Ils ont la même tête, dirons-nous. Mais ici, justement, nous sommes arrêtés, par hasard même, vous voyez, sur un beau chapiteau. Moi, c'est celui que je préfère, parce que il rappelle les chapiteaux de l'Antiquité. Et ça signifie que ceux qui ont construit Senanque étaient des gens de métier et qui, donc, transmettaient le savoir de l'Antiquité. Un savoir-faire qui s'observe aussi dans l'ancien dortoir. C'est une salle qui est quand même assez remarquable du point de vue architecture, puisque nous avons de très belles voûtes composées de claveaux et qui ont des marques. Et c'est ce qu'on appelle les marques de tâcherons. À cette époque, beaucoup de tailleurs de pierre ont laissé leurs marques pour être payés. Il y a un étudiant allemand qui est venu ici il y a quelques années et qui en a découvert plus de 2000, même 2300, je crois, différentes. En dehors des heures des prières, leur journée est consacrée aux travaux. Ici, les frères se partagent les tâches. Cuisine, ménage et jardinage. Frère Jean-Marc a la responsabilité du potager qui fournit la communauté en légumes. Et disons qu'ici, ce n'est pas un climat idéal pour le travail. La terre est pauvre et puis on est encaissé, donc il n'y a pas beaucoup de soleil. C'est pas ce qu'il y a de meilleur, quoi. Et puis il fait un peu froid ou très chaud. C'est limité, les légumes. En hiver, vous n'avez pas des tomates. Hein. Vous voyez, il y a des tas de choses. Et maintenant, les gens, à toutes les saisons, ils veulent toujours l'abondance des légumes. Mais les gens n'ont plus conscience. Il est 12h45, l'heure du déjeuner des moines. C'est pour toi, Jésus, que je suis là. Je t'ai promis, je ne reviendrai pas sur ma part. Un moment de recueillement où seule la lecture est autorisée. Je remercie Jésus. Une nouvelle vie commence pour moi. Une vie austère et rude. Plus le départ approche, plus je suis malheureux. Quitter toute ma famille dans un lieu et une congrégation religieuse inconnue est très difficile pour moi. Mes parents ont une... Frère Jérôme est le plus jeune du groupe. Il a tout quitté en 2015 pour rejoindre la communauté. Il gère la cuisine et l'été, il aide à la culture de la lavande. En tout, on a 11 hectares de lavande cultivée dans la vallée, répartis en plusieurs parcelles. Il y a deux temps. Il y a un premier temps où il y a une machine qui passe, qui coupe et qui fait des ballots. Super machine. Et donc nous, notre premier travail, en fait, c'est de mettre les ballots sur les rangs. Et puis on l'emmène chez un distillateur des environs. Et puis voilà, quelques temps après, on vient récupérer l'huile essentielle qu'on vend au magasin ou qu'on utilise pour des produits dérivés. C'est surtout ça, une des sources importantes de revenus et donc de travail pour la communauté. J'étais venu ici, je devais avoir une douzaine d'années, en touriste. Donc moi, j'étais enfant et même à l'époque, j'ai même pas souvenir d'avoir vu des moines. Mais bon, j'étais déjà passé une fois ici. Et puis, je vivais dans le sud. Voilà, enfin, j'avais une situation et bon, très bien. Mais il y a eu cette rencontre. C'est une proposition. Hein. Le Seigneur ne nous dit pas, ne force pas la main, mais si vous voulez, c'est comme une rencontre d'amour, un choix d'amour. Et donc, on a envie d'y aller, quoi. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de renoncements. Hein, donc, du coup, il y a du combat parce que, voilà, il faut quitter plein de choses, des amis, la famille, enfin. Et du coup, ça fait que je suis à ma place, quoi. C'est non, qu'il y a quelque chose d'envoûtant.
Nous terminons cette émission avec cette très jolie perspective sur le Rhône, l'île de la Barthelas et Avignon, bien sûr, avec le Palais des Papes. Nous sommes au sommet de la tour Philippe le Bel. Elle est le dernier vestige d'une forteresse bâtie au XIIIe siècle sur les terres du roi de France pour faire face à la cité des Papes située sur l'autre rive. Elle avait une importance stratégique dans le Midi médiéval puisqu'elle permettait à Philippe le Bel de contrôler l'accès au pont d'Avignon où nous avons débuté cette émission. Voilà, c'est la fin de ce numéro des Racines et des Ailes consacré aux Vaucluse avec Patrick Charles, Hélène Frandon, Jean-Luc Orabona et toutes les équipes techniques et éditoriales. Je vous souhaite à tous une très très belle fin de soirée sur France 3. Bonsoir.